Pierre, deuxième grand défi, Pierre Lavoie. Des nouveautés cette année, on parle un peu plus de sécurité, on parle aussi de plaisir. En quoi ça se traduit tout ça? Bien, ça se traduit, bien, sécurité. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a beaucoup plus de cyclistes. Et donc, il faudra être plus prudent sur les routes, un meilleur encadrement. On a vu tout à l'heure, on a fait un appel à tous pour les encadreurs et finalement, on a tout près de 125 encadreurs cette année. Donc, la première étape, qui est l'étape justement du parc des Laurentides, c'est la plus difficile et on l'a fait dès le départ. Donc, c'est toujours une inquiétude pour moi d'avoir autant de cyclistes. Je sais c'est quoi 300 cyclistes sur une route, là. C'est beaucoup de monde et c'est très long. Il faut s'assurer que tout le monde roule d'une façon homogène. Et pour ça, j'ai plein d'inquiétudes. C'est normal. Parce qu'on a grossi. On est 60% plus gros que l'an dernier. Puis c'était voulu parce que ce qu'on voulait, c'était passer un message encore plus puissant que celui d'an dernier sur les saines habitudes de vie, sur ces principes qu'on peut faire mieux en santé. Bonne fin de semaine, les gars. C'est des vedettes partout! Et là, vous êtes 5 équipes à aller Canadiens de Montréal. On est 5 équipes, tout du bon monde. On est parti de Montréal hier matin, puis on est venu dans la belle région du Saguenay. Alors, toujours le monde accueillant, super le fun. Alors, toujours un plaisir de venir ici. Très excité, fébrile. On a les papillons dans l'estomac. On espère que les jambes vont être là tout au cours du week-end. On commence à voir le grand jour arriver. En fait, dans une étape, ça va être à notre tour, moi et Joe. On commence à être un peu nerveux. Ça va bien aller. La souffrance qui nous attend, mais le plaisir surtout. Déjà ce matin, je sais pas, je chantais comme dans mon mollet. Je travaillais un peu, je sais pas, peut-être qu'appréhendais déjà les montées de la réserve faunique des Laurentides, mais... chose est certaine, c'est pour une bonne cause, puis on va rouler pour ça. C'est la fin de semaine, on a juste à faire le fun de prévu. Ça, c'est du mollet de grimpeur, c'est du mollet de grimpeur. Ah, ouais. On est en confiance. Beau vélo! J'aurais aimé ça avoir de la belle température, mais que voulez-vous? Et c'est parti! On applaudit cette étape, la dernière étape! Tout le temps, c'est cocotte.
3.3 de moyenne. ABS, le breach. Bon, ah, ouais, arrête de me filmer ma coiffure, hey, t'es molli. C'est parti! Pierre Lavoie! Pierre Lavoie! Pierre Lavoie! T'as-tu 12% ça? 12? Hein? Mmh, ouais, pas loin. Un petit bout, hein, face? Juste. Donc, l'étape. Belle étape vallonneuse à souhait, avec quelques bonnes montées pour amener les pulsations ici, là. Mais beau défi, belle étape intéressante, pas de pépins, ça a roulé à souhait, belle vitesse. La vie, la vie, la vie.